21h. L'équipe de nuit. L'équipe de nuit sur Radio Scoop. Quoi? La police? Allô? Non, ça... Ouais, c'est tout? Ouais. Ouais, J'ai un truc à dire. Attends, mais c'est qui là? C'est Vincenzo. Oh, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Mais ouais, moi, tu m'appelles en inconnu, t'aurais dû m'appeler normal. Non, mais c'est parce qu'en fait, je t'appelle avec le téléphone, parce que j'ai perdu le mien. Oh, ok. Ouais, bref, j'ai un truc à te dire. Oh oui. Je sais pas si ça va te plaire, mais bon, pour moi, c'est un compliment. Hein. Je trouve vraiment que t'as grossi, en fait, là. Pardon? Je trouve que t'as grossi. Et en plus, ton odeur me répugne, en fait. Attends, c'est une blague, là. J'espère à qui tu parles, là, en fait. Bah, toi. Après, tu vois, je préfère pas être focus, c'est au moins te le dire. Mais t'es sérieux, là? Bah, oui, pourquoi? Mais tu te prends pour qui, en fait, pour me parler comme ça? T'aurais dû me le dire en face, en fait, je sais pas, moi. Bah, je tiens à ma vie, quand même. Ah bah, tu tiens à ta vie, tu fais des trucs comme ça, toi, en fait. Tu vas me dire, c'est normal. Mais grave. Franchement, je suis désolé, mais bon, après, je vais pas me retenir te le dire, alors que, franchement, tu pues, mais grave. Mais c'est une blague ou quoi? Bah, n'impro. Je vois pas quoi, je te ferai une blague. Mais je pue de grave, mais de quoi, là? À qui tu parles, là? Oh, Aïssatou, j'ai peur, hein, si tu pues. Mais t'es sérieux, tu veux que je te rentre dedans, en fait? Bah, vas-y, viens, je t'attends. Mais attends, mais toi, tu fais rire, mais tu t'es pris pour qui, là, en fait? Attends, tu sais quoi, je vais monter dans ma chambre. Pas envie de ma mère, elle m'entend, là, sinon je vais péter un câble, je crois. Mais MDR. Bon, c'est bon, t'as fini de monter tes escaliers, là, ça te fera faire des squats en même temps, en plus. Qu'est-ce que tu viens de me dire, là? Tu te prends pour qui? Tu parles à qui? Oui, moi, si c'est bon, je t'aime, là, là. Mais va te faire foutre, en fait, tu me parles pas comme ça, t'as un truc pané, toi, dans ton crâne. Mais fais plaisir, oh, meuf, je te parle comme je veux, en fait, hein. Mais y'a pas de... Tu me parles comme tu veux, en fait, y'a pas moyen, tu me parles pas comme ça, je suis pas ta pute non plus, non? Ouais, ça, j'hésite encore. Comment ça, t'hésites en... Ah, tu recherches vraiment ta mouille, en fait, tu te prends pour qui? Je me prends pour le roi. Mais miskine, oh, tu sais quoi, tu me fais de la peine, en fait. Je t'écoute parler, mais sérieusement, tu me fais beaucoup de peine. Ah, c'est tout, franchement, tu préfères que je te le dise que tu pues et que t'es grosse ou que je sois très focus? Mais toi aussi, tu pues à ce compte-là. Quand t'ouvres la bouche, c'est bon, j'ai envie de m'évanouir en cours, donc ferme-la un peu. Vincenzo! Vincenzo, t'es avec qui au téléphone? Ça pue. Je suis avec ma mère. Mais c'est une bête, c'est qui ce pelon encore là? Qu'est-ce que tu veux? Ah, oh, putain, ça pue. Oh là là. T'es pu! Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux quoi? Pourquoi tu l'ouvres? T'es pu déjà pour me parler en plus? T'es pu! Mais tu veux quoi en fait? T'es qui, toi? T'es avec qui, là? Tu peux. C'est mon meilleur pote. Mais t'es pas, mais mort de rire. Qu'est-ce qu'elle dit? J'entends pas. J'ai le nez bouché, les oreilles. Mais c'est une blague ou quoi? Oh, t'es qui, frère? T'es qui? Hein? C'est bon, c'est tout, calme-toi, c'est pas lui que tu l'as... Mais du déo! Déo! Déodorant, Tahiti douche, fais du fa, mais tout ce que tu veux, mais tu peux. Mais t'as un peu, tu veux quoi? Prends ton part, toi! C'est tout, c'est à moi, tu dois t'en prendre, pas à lui, hein. Lui, il a mais j'en ai rien à foutre, il l'a, il l'ouvre aussi, je le connais, il l'a, il l'ouvre. J'en ai rien à foutre en fait, je m'en bats les couilles là. Mais mort de rire, Aïssatou. You're smelling fort. Oh, Aïssatou, franchement. Tu sens le foutre. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Si tu veux, je vais te faire un petit cadeau. Tu veux quoi? Je t'achète un déo si tu veux, dès qu'on se voit. Ah, bâtard. Mais mort de rire. Ah, et pas ce compte-là, moi aussi, je t'achète une brosse à dents, ce compte-là. Ouais, mais ça pue. Oh bah t'inquiète, moi j'en ai au moins. Ah, ça. Eh bah, utilise-la. Et même dans le téléphone, ça pue. Tu sais, il y a de la poussière même, je crois, dessus. Dans le téléphone, elle pue, ta copine. Oh la vache. Mais qu'est-ce que tu veux, franchement, toi, moi, tu vois. Tu veux quoi? Attends. On met un peu de déo, là, parce que même au téléphone, j'en mets un petit coup. Mais mort de rire, t'inquiète pas pour moi. Moi, je me lave, d'accord? Tous les jours, je me lave. Mais oui, mais oublie pas d'ouvrir l'eau. Il faut ouvrir l'eau. Faut pas aller que dans la douche. Faut ouvrir l'eau. Mais mort de rire. Mais tu te prends pour qui, en fait? T'es qui pour me parler comme ça? Tu veux que je te rende dedans, toi aussi? Non, ne t'approche pas de moi! Ne t'approche pas de moi, je t'en supplie. Mais tu veux quoi? Tu veux qu'on prenne tout le monde? Je veux que tu prennes une douche, c'est quand même clair! Une douche, un shower! Mon frère, moi je me lave, t'inquiète pas pour moi! Avec de l'eau, je te dis, et du savon. Oh, ça c'est bon, c'est du savon.
Mais c'est une blague. Mais tu veux quoi, toi, t'es qui? Mais même du Ménel, on s'en fout, hein. Eh, ça tout, c'est mon meilleur pote. Mais on me parle comme ça, t'es qui? Tu crois que je suis ta copine ou quoi? Ah non, t'es pas ma copine. Tu vas pas parler comme ça, mon meilleur pote, par contre, je te dis direct, là. Mais tu sais, ton meilleur pote, toi, ton meilleur pote, il parle comme ça à tes potes et tu vas me dire c'est normal. Eh, je suis sûr que le mec. C'est, ça, c'est la vérité. Un mec, c'est une fois à côté des poubelles, c'est toi qui ramasses. En plus, tu dis ça devant des gens. Ah oui, c'est sérieux, tu te fous de moi. Qu'est-ce qui pue? C'est Aïssato. Aïssato, elle sort du trou. Aïssato. Mais tais-toi. Elle pue du cul. Elle pue du cul. Franchement. Aïssato, elle sent partout. Elle sent le poisson perdu. Aïssato, elle fouette. Elle sent dans son fouette. Aïssato, elle pue. Elle fouette, elle pue. Dis à ton pote qui ferme sa bouche parce que la petite moi, Pichenzo, je fais péter un câble. Et je rigole pas, tu sais très bien comment je suis, je vais péter un câble. Mais MDR, franchement, Aïssato, si tu veux trouver un mec, achète-toi vidéo. Elle sent le poisson. Mais c'est une blague. Mais c'est une blague. Viens manger l'arrêt. Vous êtes arrêté, c'est pas une blague. Gueule, là. Vous prenez pour qui pour me parler comme ça? Bah, tu fouettes et t'as grossi. Mais si, mais en plus, d'où j'ai grossi? Bah, tu vas me dire, ouais, j'ai grossi? Bah, vu comment tu manges l'arrêt. Mais tu fous quand même un banc pour t'asseoir. Mais c'est une blague. C'est même deux, mais c'est une blague, toi. Mais toi, tu veux quoi, en fait? Je trouve que Pélo, il pèse 75 kilos, il parle avec moi. Ouais? Et toi, tu veux combien, s'il te plaît? Moi, j'en paye 55, merci. 55 tonnes? Non, pas tonnes, on douille. Je meurs. Franchement, oh, Aïssato, si tu veux, oui. Dès qu'on se voit, même le 4. Vas-y, ferme ta gueule, tu m'énerves. Ferme ta gueule, en fait. Tais-toi, chute, arrête de l'ouvrir. Mais MDR, je crois pas, non. Mais je crois pas, quoi. En fait, pourquoi elle est vexée? Vincenzo, pourquoi elle est énervée, en fait? Tu t'es sympa, tu lui dis une vérité, elle se vexe. Le but, c'est qu'en plus, on ne dit pas des trucs comme ça, en fait. C'est tout. Tu dis pas c'est bon. Comme ça. Ah, bah alors moi, tu pues, s'il te plaît. Tu pues, s'il te plaît, mais de quoi, en fait? Mais comment? Attends, c'est bon, en fait. Aïssato, c'est gentil ce qu'il dit, au moins, il a dit s'il te plaît. Mais s'il te plaît, quoi? Bah, mais s'il là, te plaît, tu pues. Gars, tu me demandais mon déo. J'en mettais devant toi, tu en mettais aussi. Oui, mais tu le mets pas dans le bon sens, ça pchite dans l'air, en fait. Moi, j'ai mon déo, c'est tous les autres de la classe qui te demandent. Mais mort de rire. Ouais, en gros, tu pues. Ouais. Mort de rire. Ah ben oui, mais nous on est mort de... Comme ça. C'est mort de sniff. Ta gueule. Je connais même pas, t'es là, tu me juges. Mais je te juge pas, je te sens. Non, mais même quand t'es passé dans un couloir, 10 minutes après, je savais que t'étais passé. Moi je veux parler avec toi si je veux. Non, j'ai pas envie de t'écouter en fait. Mais moi j'ai envie de te parler, t'es pas obligé de m'écouter. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas m'obéir et que tu vas pas m'écouter. Écoute, frère, il moi, j'en ai rien à foutre. Le problème, c'est quand je parle dans le vent me renvoie ton odeur. Le pote de Vincenzo, j'en ai rien à foutre, d'accord, de qui t'es. Mais vraiment. S'il veut parler, il te parle. Il te mais il s'est pas envie de parler. Alerte Odéo! Alerte! Alerte, ça pue! Oh là là! Pardon. C'est magnifique, frère. Pourquoi t'es énervé? Parce qu'on ne dit pas des trucs comme ça. Pourquoi? C'est pas notre faute si c'est la vérité, et c'est tout. Non, mais Vincenzo, on va lui dire. Tu écoutes, tu sens super bon et bravo pour ce beau régime. Merci. Voilà. Écoute, c'est super. C'est juste que quand tu nous parles, tu pouvais pas te mettre dans le sens du vent, ça nous arrangerait. C'est tout. Et bravo c'est pour gentil. Tout ce que tu... Ouais, je suis gentil, tu vois, j'ai amélioré le truc. Je suis sympa, moi, comme mec, Aïssato. J'ai l'impression que tu m'aimes pas. Bah, c'est normal, en fait. Je te connais pas, t'es là, tu me parles comme ça. Mais moi, je te connais, Aïssato. Je connais même ton numéro de téléphone, qui finit par... des numéros que j'ai pas le droit de dire, parce que si je le dis, les gens vont t'appeler et tout, tu vois. Mais en plus de ça, là, comment t'as eu mon numéro, toi, déjà? Alors, en fait, je t'explique. En fait, Vincenzo, il est venu nous voir l'après-midi, il a dit, tiens, j'aimerais piéger sur Radio Scoop quelqu'un. Et il a pensé à toi. Oh, putain de... Ça va? C'est une blague. Oui, c'est ça. Oui. Salut Aïssato, bienvenue, Coucou. Je m'appelle Jérôme. T'es en plein cœur d'une émission où quelqu'un s'est foutu de ta gueule, en l'occurrence Vincenzo. Et évidemment, tout ceci n'est pas vrai, en tout cas pour l'un des deux trucs. À toi de trouver lequel, on est le bâtard. Non, bien sûr Aïssato, c'était pour rire, on a grossi et caricaturé tout ça. On parle pas de toi quand on dit grossir. Non, on a rien fait. Non, tu sens très bon. Voilà. Enfin. Ouais, en plus.
T'es gentil comme tout, il t'adore, il voulait juste te rendre dingue et apparemment je crois qu'il a réussi. Ouais, bah en fait moi on me rend dingue facilement donc. Ouais, bah alors là en même temps il avait mis, c'est moi qui lui ai imposé la phrase en plus en lui disant tu as grossi et en plus tu sens mauvais. Tous les trucs qu'une femme aime entendre au téléphone. Voilà. Voilà, t'es en train de redescendre là, ça y est, hein, t'es en train de te. Bah ouais, tu m'en fais pas trop. Bah mets un petit coup de déo là, ce qu'elle a pris. Arrête. Mais elle a pris chaud. Non, mais là, laisse-la, elle va aller prendre une petite douche. Non, ça va, je suis dehors. Tu m'en fais pas trop, j'espère. Non, ça va. Il est gentil, ouais, c'est une blague. Hein. Il est toujours comme ça, Vincenzo? De temps en temps, ouais. Non, en tout cas, elle le pensait. Ouais, Vincenzo, tu brosses les dents. Ouais. Hein. Vincenzo, tu pues de la gueule quand même. Hein. Elle, c'était sincère, par contre, c'était pas un canular pour toi. Tu le pensais ou pas? Bah, je sais pas, moi, c'était sur le coup de la colère. Donc. Ah, donc on efface tout et on recommence. Bisous ma petite Aïssatou, je te repasse Charlène qui un jour t'expliquera comment te venger de Vincenzo, ce sale goût. Il faut que tu le punisses. Bah oui. Je le punirai. Voilà, mais plus de déo, là pour de vrai cette fois.